Bonjour, je suis Nicolas, coiffeur et responsable du salon Alexandre Henry à Paris. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le lissage durable américain, l'un de nos services phares en salon, qui vous permettra d'avoir des cheveux plus souples, plus doux et brillants, et également vous permettra de réduire le volume, faciliter le brushing et tout type de coiffage, que ce soit naturel ou bien avec des plaques à lisser ou encore le brushing à la brosse. Donc, je vous laisse découvrir tout cela en vidéo et je vous dis à très bientôt. Je vous présente notre modèle, Sandrine, qui a bien voulu se prêter au jeu aujourd'hui. Donc voilà, notre modèle a les cheveux relativement bouclés. C'est un cheveu de type méditerranéen. Il y en a beaucoup, mais ils sont fins. Donc on va les lisser avec le produit pour cheveux normaux, donc cheveux naturels. Et on obtiendra donc une réduction du volume et énormément de facilité au niveau du brushing. Donc on va voir ça tout à l'heure. Nous allons commencer à préparer les cheveux avec un shampoing neutre, idéal pour laver et purifier le cheveu avant d'appliquer notre produit lissant. Donc voilà, nous venons d'effectuer le shampoing et voilà exactement la vraie nature du cheveu qui ressort, donc un petit peu plus bouclé encore qu'auparavant. Et maintenant, nous allons pouvoir procéder au lissage. Nous allons bien préparer la chevelure en peignant et en démêlant parfaitement tous nos cheveux. Et nous allons séparer l'avant de l'arrière afin de travailler proprement et de façon méthodique, en commençant par la nuque et en finissant par les côtés et le dessus. Donc nous allons commencer par les premières mèches dans la nuque, en prenant bien garde que le produit ne touche surtout pas le cuir chevelu. Ça, c'est très important, parce que c'est un produit qui ne doit pas toucher le cuir chevelu. Alors Vertical est un produit de la marque Redken, absolument sans ammoniac et très doux. Il va modifier la structure interne du cheveu. Et dans un deuxième temps, nous allons rincer et refixer cette nouvelle structure, ce qui nous permettra d'avoir des cheveux beaucoup plus lisses et moins volumineux. Il est conseillé de travailler en légèreté et surtout sans peigner et sans trop tirer sur les cheveux. Vous pourrez également constater que en lissant les cheveux avec le vertical, vous pourrez également gagner quelques centimètres vu que le cheveu sera beaucoup plus détendu et moins volumineux. C'est une technique assez rapide si les cheveux sont bien préparés. Si les cheveux sont plus sensibilisés, il est également possible d'utiliser le produit pour cheveux sensibilisés et de les préparer avec un soin préalable à base de protéines que nous appelons le chemistry et que vous pouvez découvrir en salon. Il est conseillé de travailler essentiellement avec le pinceau et les mains. Il faut éviter de tirer trop sur le cheveu. Le contact du produit avec le cheveu permet le lissage et non l'action mécanique. C'est pourquoi sur ce type de cheveux, je peux me permettre tout simplement de démêler au doigt et de continuer mon travail avec les mains. Pour les bordures et petits cheveux, sur le côté par exemple, je commence à travailler mes mèches de la longueur, toujours en prenant garde de ne pas toucher le cuir chevelu. Je descends jusque dans les longueurs, je lisse à 90 degrés et surtout
je dégage bien la première zone. Ainsi, je vais pouvoir juste effleurer les cheveux des bordures avec le produit. Et ensuite, là, dans ce cas-là, avec le peigne, on va pouvoir en fait attraper les petits cheveux. Ce qui permet d'avoir quelque chose de très précis et surtout de lisser au mieux toutes les bordures. Une fois le temps de pose idéal atteint, donc pour notre modèle, il s'agit d'un temps de pose de 20 minutes pour cheveux naturels, nous allons commencer à rincer successivement et progressivement en commençant par là où nous avons démarré l'application. Car il est très important de tenir compte du fait que le produit commence à agir dès qu'il est appliqué sur le cheveu. Le temps de pose ne démarre pas quand toute la tête est finie. Sinon, il y aurait un risque que le produit pose trop longtemps et de ce fait, risque de sensibilisation inutile du cheveu. Donc là, je commence à rincer la nuque et nous allons remonter progressivement en surveillant notre temps de pose. On peut déjà constater que la boucle est beaucoup moins nerveuse, beaucoup plus détendu, mais bien évidemment, le but de ce lissage n'est pas de les raidir à 100%, mais de garder encore une forme et une souplesse. C'est essentiellement la réduction de volume et la facilité de coiffage qui est recherchée. Donc là, je fais l'application du produit fixateur, qui est la deuxième étape très importante du lissage. Après avoir rincé la première phase, cette deuxième phase va permettre de fixer notre résultat et la nouvelle forme du cheveu. Donc c'est un produit assez frais au niveau du cuir chevelu. Et c'est un produit en fait qui incorpore un soin protéiné à l'intérieur qui permet également de renforcer et adoucir énormément la fibre. Nous allons laisser poser la phase de fixation pendant une dizaine de minutes. Ce temps est le même quelle que soit la nature des cheveux. Donc nous venons de rincer la fixation de notre lissage. Vous pouvez constater que les cheveux sont beaucoup plus malléables, beaucoup plus souples et détendus. Donc on gagne effectivement quelques centimètres de longueur, même en séchage naturel. Maintenant nous allons pouvoir procéder au coiffage, donc au sèche-cheveux tout simplement, avec un peigne si vous le souhaitez. Bien évidemment, rien ne vous empêche d'utiliser également un styler, donc des plaques alissées en céramique. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, et surtout ça va beaucoup mieux tenir, même avec de l'humidité. Donc volontairement, j'ai séché les cheveux au doigt et vous voyez en fait vraiment la différence de texture. Donc on voit qu'il reste de la souplesse. Donc si on avait voulu les sécher à l'air libre complètement, on aurait pu avoir une ondulation, quelque chose de beaucoup moins vaporeux et frisé. Et quand vous les séchez comme ça, vous voyez que le cheveu est vraiment détendu et surtout très très brillant. Il faut tenir compte aussi du fait que là il n'y a eu aucun brushing, donc effectivement si vous utilisez la brosse, une grosse brosse ronde, vous allez facilement pouvoir les détendre et obtenir une définition parfaite. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser un styler, donc c'est cet ustensile là, hein, des plaques en céramique, pour les lisser parfaitement ou pour leur donner tout simplement la forme que vous désirez. Voilà, donc maintenant on va coiffer et puis je vous montre le résultat juste après. Voilà, nous allons utiliser le styler. Nous allons protéger les cheveux avec du Fabricate qui est un produit thermoactif. Et donc nous allons pouvoir travailler tout simplement en lissant les cheveux. Le dégagement de fumée est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'un produit thermoactif qui permet de protéger de la chaleur. Et là, on obtient un lissage absolument parfait en un seul. De travailler avec le styler.
Encore une fois, ce styler, comme nous l'appelons, n'est pas uniquement fait pour lisser les cheveux, mais également pour donner du mouvement, si vous le souhaitez. Et voilà, là on a une parfaite brillance et lissage, un parfait lissage sur l'ensemble de la chevelure. Très facile et très rapide. Voilà, c'est fini. Donc le lissage américain, c'est ça, destiné aux hommes et aux femmes, et à retrouver dans notre salon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de votre intérêt. À bientôt.